Alors, ce que j'ai à vous dire à tous, c'est qu'il faut qu'on respecte encore plus notre planète, car pour l'instant, on n'est pas très gentil avec, parce qu'on est un peu les incrusteurs de service, on est les derniers êtres venus, et puis ben, on pollue la planète, et puis on la détruit, même entre nous aussi. Donc voilà. Alors, je vais dire, moi, pour être honnête. Donc, allez mieux, s'il vous plaît. Bonne chance, taisez-vous. Allez bien, et. Arrêtez d'acheter autant de peluches. En cette période spéciale, le négatif ne fait que d'être relevé. Mais pour arriver à la fin du confinement sans déprimer, regardons plutôt le bon côté du Covid. Le confinement permet de ranger, de faire les affaires. Le fait de rester à la maison vous donne le temps de faire des expériences. Je vais vous expliquer celles que j'ai faites avec ma famille. Nous avons acheté des œufs fécondés. Après les avoir mis pendant 21 jours en couveuse, voici nos trois petits poussins. Mais revenons-en au positif du confinement. Parlons plutôt de pollution. Grâce au fait que tout le monde reste à la maison, la pollution a fortement diminué. Et pour moi, c'est la meilleure chose que le confinement ait pu faire. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement s'est bien passé. Moi en tout cas, il s'est super bien passé. J'espère que vous l'avez respecté aussi pour sauver un peu la planète parce que sinon, si personne ne le respectait, bah, ce serait un peu n'importe quoi. Je voulais dire un grand bravo à toute la planète parce que je pense qu'on a sauvé beaucoup de personnes comme ça, juste en respectant le confinement. Moi, j'ai quand même pu faire des choses cool durant mon confinement, vu que j'ai un trampoline. Et puis, bah, ça passe le temps, ça peut nous occuper. Et puis, je sais qu'il y en a qui ont dû le faire en appartement, et je pense que ça a dû être très dur. Donc, je les félicite parce que moi, c'était plus facile que pour eux. Voilà. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'espérance. Personnellement, ce qui me donne de l'espérance, c'est l'amitié, car ensemble, nous pouvons rire et nous amuser, mais nous pouvons également créer des liens profonds qui nous unissent et nous rendent plus forts. Donc, voilà ce qui me donne de l'espérance. On peut enfin bouger!
love is a river long, a best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you, and I'm happy. Salut, j'espère que vous allez bien. En cette période exceptionnelle et bizarre, il est important de garder espoir et de passer du temps en famille, car on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, et qu'il faut profiter de cette période, un peu étrange bien sûr, mais il faut quand même en profiter pour fonder des liens familiaux qui dureront éternellement. Ciao, à bientôt! Bonjour, je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché et les yeux un peu rouges parce que le pollen fait des ravages. Comme message d'espérance, moi, dans ce que j'ai appris ces années, c'est que même si Dieu ne devait pas exister, ben pour les humains, ça fait du bien toujours quand on est seul de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, donc d'y croire. Alors ça, c'est un message d'espérance. J'espère que les gens, au moins, ils peuvent en fait avoir ça dans leur vie. Je souhaite aux gens de croire en quelque chose.